Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour commencer donc la semaine tranquillement, sans prise de tête, parce que aussi c'est les vacances pour moi, donc petite vidéo rapidos, donc unboxing mes Quacookes, donc consacré à deux colis voilà que j'ai reçus tout récemment. Tout d'abord un colis cadeau de mon ami Yannick. Donc, il m'a été destiné pour moi et également donc pour ma femme. Et puis donc un petit colis de mon ami Damien. Voilà, donc nous allons découvrir ça tout de suite. Et puis, bah écoutez, voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, sachant que pour la petite anecdote, le colis de mon ami Yannick a déjà été ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses pour mon épouse à l'intérieur. Donc voilà, je lui ai dit de prendre ce qu'elle avait à prendre pour elle, et puis de refermer le colis et de me le donner pour que je découvre après, à mon tour, donc avec vous, le contenu de ce dernier, bien que j'ai déjà ma petite idée, pardon, de ce dont il s'agit. Voilà, donc sans perdre de temps, on se retrouve tout de suite donc pour ce petit unboxing Mes Quacookes. Allez, c'est parti, let's go! Mes Quacookes? Oh, j'ai trop hâte de savoir qu'est-ce que c'est pas. Dis-moi, papy, quand est-ce que Mini-Mini-Moi va pouvoir dire des phrases correctes? Parce que, dis donc, en ce moment, ça vole pas haut, hein, son vocabulaire. Oui, j'avoue qu'il a un petit peu de mal en ce moment, c'est vrai. Oh, bah, c'est parce que je regardais Kaamelott. Et puis, bah, comme Perceval, c'est mon personnage préféré, je crois qu'il a tendance à déteindre un peu sur moi. Mais bon, ça n'empêche que je suis content de voir ce que tu as reçu. Allez! Nous, on vous dit à tout à l'heure. Ouais, on vous dit à tout à l'heure. Et bonne découverte. Ouais, tchuss, 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 tchuss. Et voici donc, avant d'entamer donc ce petit déballage, un aperçu des deux colis. Celui du dessus donc provient de mon ami Damien, et celui qui se trouve tout en dessous. Oh là, je vais y arriver. Ah, c'est le début de semaine, c'est un peu dur. Alors celui du dessous donc de mon ami Yannick. Voilà, donc je retourne sur mon studio vidéo et nous allons découvrir donc le contenu ensemble. Allez, c'est parti! Magie de la vidéo, nous revoici donc sur mon studio vidéo avec le colis de mon ami Yaya et de sa maman donc Danielle, que j'embrasse déjà avant de l'avoir ouvert, hein. Merci comme toujours à tous les deux. C'est vrai qu'on se fait régulièrement des cadeaux tous les quatre. Voilà, Yannick étant un ami de longue date. Alors nous avons quoi? Donc nous avons un petit mot, j'accepte les bisous et les câlins. Voilà, avec le petit coucou de rigueur. Donc coucou les amoureux, avec un peu de retard, quelques petits présents pour l'anniversaire de Sandrine. Et comme prévu, donc les figurines Disney et la jolie Citroën pour Sylvain. Petite gourmandise à partager, oui, parce que nous avons eu aussi une petite boîte de chocolat, ma foi, fort exquise. Voilà, pour les moments de détente, affectueuse pensée et plein de gros bisous. Yannick et Daniel, merci pour ce petit mot qui fait vraiment plaisir et que je vais garder donc avec tous les autres. Alors, le collier est déjà ouvert, comme je vous l'ai dit, hein, ma femme donc s'est servie, a pris ce qui lui revenait de droit, et puis voilà, donc à moi maintenant de découvrir le contenu. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais, hein. On en a discuté au téléphone il y a pas longtemps, donc voilà, je connais déjà le contenu, mais ça n'empêche que j'ai hâte de voir maintenant à quoi ça ressemble. Alors on va commencer tout de suite, voilà, par ce petit paquet. Alors, je vais enlever le carton, finalement, je pense que je vais le mettre de côté, ce sera plus pratique pour tout vous montrer. Voilà, voilou, donc dans la collection Citroën, puisque je ne les trouve plus par chez moi, et je me suis pas abonné parce que voilà, je ne veux jamais tout avoir, un peu comme les Transformers et les autres jouets, mais uniquement vraiment les voitures qui me plaisent. Donc il s'agit, alors les plus jeunes ne connaîtront sans doute pas, mais les plus anciens, ceux de ma génération, la reconnaîtront sans problème. Il s'agit de la bonne vieille Citroën Ami 8. Pourquoi cette voiture? Tout simplement parce que elle fait partie des voitures que mon grand-père paternel avait quand j'étais enfant.
Il avait eu la Diane, il avait eu la Mi 6, il avait eu la Mi 8, puis plus tard donc la 4L, la Renault 5, etc. etc. Et voilà, donc cette voiture a particulièrement marqué mon enfance. Je la trouvais vraiment très jolie. Et alors je vais la sortir, hein. On va se faire plaisir puisque voilà, le paquet est déjà un petit peu ouvert. Voilà, pour que nous puissions vraiment l'admirer. Alors vraiment, elle est superbe, hein. C'est vraiment, alors je sais plus, c'était pas cette couleur-là qu'il avait, mais bon, je crois qu'elle était un peu crème, mais voilà, la voiture, l'une des voitures de mon enfance, hein, qui a marqué mon enfance, la Mi 8, vraiment superbe, très très originale pour l'époque. Voilà, j'essaye de bien montrer tout à la caméra sans qu'il y ait donc de reflets à cause des lampes sur le plastique de la boîte. Voilà, la Citroën Mi 8. Extrêmement bien réalisé, hein, comme toutes les Citroën donc de cette gamme. Voilà, je suis super content, hein. Là ça me fait penser à, voilà, ça me fait penser à ma toute petite enfance, hein. Je devais à l'époque avoir 5-6 ans. Il a eu aussi donc, comme je vous disais, la Diane et puis la Mi 6. Ah, ça fait super plaisir de retrouver cette voiture qui m'a vraiment vraiment marqué. Voilà, un petit hommage à feu mon grand-père. Ah, c'est, ouais, c'est quelque chose, hein, c'est, voilà, elle est de toute beauté. Ouais, c'est, waouh, c'est vraiment super. Vraiment, elle est très très belle. Je suis assez ému, hein, je suis assez ému parce que non seulement je retourne un peu plus de 40 ans en arrière, et puis, il y a aussi le souvenir de mon grand-père, de ma grand-mère, enfin bref. Voilà, de bons souvenirs d'enfance. Ouais, c'est, elle est magnifique. Voilà, je l'ai déjà dit au moins 10 ou 15 fois, mais je le répète, hein, voilà. Cette voiture est tout simplement sublime. Donc elle ira rejoindre ma collection donc Citroën en attendant que j'ai des meubles spécifiques pour pouvoir exposer toutes mes collections de voitures miniatures. Voilà, en tout cas, donc pour le premier présent. Ça fait tout drôle vraiment. Alors on continue en second, puisque voilà, certains d'entre vous le savent, j'adore Disney, non pas les films que je trouve pourris tout simplement, mais les vieux dessins animés et surtout les BD du type Journal de Mickey et Mickey Parade. Et donc nous avons juste ici l'un de mes personnages préférés, à savoir l'inventeur Géo Trouve Tout. Voilà, qui potasse souvent sur des inventions pour lui, pour Picsou, pour Donald, mais aussi et surtout pour Fantomiald, voilà, dont je suis friand, le super-héros Fantomiald, et qui se fait bien souvent voler ses inventions par des ennemis, par les méchants, notamment les Raptous. Donc on le voit assis sur son petit tabouret avec son chapeau cheminé, avec ses petits les petits corbeaux. Voilà, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que quand notre Géo est à court d'idées, d'invention, de création, eh bien il enfile ce petit chapeau atypique avec les petits oiseaux. Et voilà, ces petits oiseaux lui permettent de se concentrer et de trouver donc de nouvelles idées de création et autres. La figurine est absolument magnifique. C'est, voilà, c'est vraiment de toute beauté. Alors je vais faire pareil, hein, je vais l'ouvrir. Voilà, pour qu'on puisse l'admirer d'un peu plus près, parce que c'est vrai qu'avec tous ces plastiques transparents et mes différents éclairages, c'est pas, voilà, c'est pas folichon. Voilà, un petit peu, hein, cette figurine est merveilleusement réalisée, vraiment. Voilà, si j'avais eu la thune, il y en a plein d'autres que j'aurais voulu me procurer. Mais voilà, Géo est vraiment pour moi un incontournable. Donc voici pour la première figurine. Et puis donc, voilà, dernier petit cadeau, et pas des moindres, toujours une figurine Disney. Cette fois-ci, nous avons le personnage de Fantomiald avec un E, et non pas Fantomiald sans E. Pourquoi Fantomiald avec un E? Puisqu'il s'agit tout simplement donc de la version féminine de Fantomiald, le super-héros, incarné donc par Daisy. Voilà. Alors je vois par contre que la cape est cassée. Alors, il va falloir que je mette une petite touche de colle à résine. La cape est cassée au niveau de l'encolure. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà, sinon pour le reste, elle est de toute beauté avec la, voilà, sa visière transparente. Voilà, là, l'héroïne
Donc voilà, l'ami de Donald, bien que quand on la voit dans les histoires de Fantomiald, elle est souvent un peu plus futée, hein, voilà, voilà, tout simplement, un peu plus futée que Fantomiald, plus intelligente, plus maligne, c'est Daisy aussi. Et la voici, la voilà, donc, sans son film plastique, elle est vraiment superbe. Alors, je pensais qu'il n'y avait qu'un côté de la cape, mais en fait, non, c'est toute l'encolure de la cape qui est cassée des deux côtés, hein. Donc il va falloir que je refasse un truc propre, voilà, pour refixer la cape correctement. Mais voilà, une superbe réalisation, hein. Vraiment, ces figurines de chez Disney sont toutes plus belles les unes que les autres. Voilà, deux de plus à ajouter, donc, à ma petite collection. Donc voilà un petit récapitulatif du colis de mon ami Yannick. Donc deux figurines Disney, donc à savoir Je retrouve tout et Fantomial 2. Et puis donc la Mi 8, voilà, la petite voiture de mon grand-père de quand j'étais petit. Voilà de quoi me faire retomber en enfance avec ces merveilleux cadeaux. Merci mon Yaya, merci Daniel, merci pour ces présents absolument magnifiques. Vraiment, ça me touche énormément. Je vous embrasse très très fort tous les deux, je vous fais plein de gros bisous, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Voilà, portez-vous bien, et puis bah, voilà, plein de belles choses pour vous. Et nous allons pouvoir passer à présent donc au colis de mon ami Damien. Alors je lui fais un petit peu de promo parce que voilà, Damien est une personne que j'apprécie, c'est un très bon ami avec qui je fais toujours de très bonnes affaires. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, c'est un passionné. Alors il revend de temps en temps parce que bah voilà, il essaye de compléter des jouets et donc du coup il se retrouve parfois avec des pièces en double, en triple, en quadruple. Ce qui est bien, c'est qu'en termes de tarifs, franchement, il n'assassine personne par rapport à la concurrence. Je crois vraiment que c'est la personne la moins chère, donc toujours très juste dans ses tarifs. Aussi, je vous serais gré de ne pas non plus lui faire des propositions, des offres bidons, sachant que voilà, quand on est collectionneur, on sait très bien que ses tarifs sont déjà très bas à la base. Voilà, donc je lui fais un petit peu de promo parce que en ce moment, donc, bah, y a pas mal de bonnes petites affaires à faire dans sa boutique sur Vinted. Sa boutique, donc Damien 59 99 01, je mettrai bien entendu comme toujours le lien de sa boutique dans ma description. Voilà, donc il propose actuellement bah, dans ses prix et dans ses bonnes affaires, donc le Jet Garuda DX, pas la version standard mais la version DX, c'est à dire le gros mastoc de 40 cm, voilà, de la série Jetman. Il le propose à 100 balles, voilà, en général on trouve plutôt aux alentours de 200 à 300, là 100 balles. C'est vraiment pour moi la super affaire du moment. Et l'autre super affaire du moment, donc, c'est le robot Deca Ranger, donc la version japonaise qui a été déclinée aux États-Unis et chez nous sous le nom Power Ranger SPD. Donc là, c'est véritablement la version japonaise, pas la version US européenne. Donc qu'il propose donc à 35 €. Voilà, vous avez bien entendu, 35 € pour le robot Deca Ranger version Jap. Voilà, donc bah, faites-vous plaisir, hein, à ce prix-là, vous trouverez difficilement mieux. Même la version américaine est souvent vendue plus cher. Donc voilà, vraiment dans ces superbes affaires du moment. Et puis vous trouverez aussi donc dans sa boutique plein de robots et de véhicules et figurines Super Sentai, notamment du Wind Spector, du Jetman, du Turbo Ranger, du Metal Dealer, mais aussi donc des figurines Cops, Senseiya, et puis du jeu vidéo. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour être heureux, pour trouver son bonheur. Et puis sachez également que prochainement, très prochainement, donc il va proposer à la vente donc le 5 Robo DX et le Star 5 DX, donc tous deux issus de la série 5 Man. Voilà, donc une fois encore, donc pour des tarifs vraiment vraiment modiques. Alors c'est pour ça que je vous le dis, hein, ça sert à rien de lui faire des demandes de réduire des prix, sauf éventuellement si vous achetez en gros, mais déjà à la base ces prix sont les moins chers du net. Vous pouvez comparer partout sur Le Bon Coin, sur Facebook, sur eBay, vous ne trouverez pas mieux à ce prix là donc inutile bien entendu voilà, de lui faire des propositions de merde, hein, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, donc un petit peu de promo pour lui. Je remettrai, comme je vous l'ai dit, hein, donc le lien de sa boutique dans ma description. Et donc maintenant, après la petite page de pub, nous allons pouvoir passer donc au déballage de ce petit colis. Voilà, comme toujours, donc je me munis de mon Laguiol et je pense que je vais ouvrir, ouais, c'est super bien scellé, je vais l'ouvrir, voilà, par le dessous. Je pense que ce sera peut-être un peu moins compliqué qu'au-dessus, au vu de tout le plastique et scotch qu'il y a.
Voilà, comme toujours, vous pouvez le constater par vous-même, et c'est l'avantage aussi de faire des unboxings en direct. Vous pouvez constater de la qualité et du soin de l'emballage. Pas de mauvaise surprise. Voilà, ah, je vais y arriver. Encore un petit bout juste ici. Voilà, et je pense que voilà, la tranche est ici. J'essaye de faire attention quand même, hein, de ne pas ouvrir ça comme un porc. Voilà, notre carton libéré de son scotch. On y retrouve bah, les petites protections papier bulle et autres. Voilà, gage aussi de qualité. Et puis bah, je vois que voilà, j'ai des petits cadeaux. Alors bah tiens, on va commencer par les petits cadeaux. Hein. Ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est? Encore de la figurine Super Sentai. Génial. Voilà, bah, décidément, dis donc, ma collection de figurines fait un super bond en avant. Ah ouais, de toute beauté. De toute beauté. Ah, superbe, absolument superbe. Donc deux figurines, si je ne dis pas de bêtises, hein, issues de la série Jetman. Voilà, je ne les avais pas. Voilà qui est chose faite à présent. Elles sont en super état. Vraiment nickel, rien à dire. Alors nous avons encore un petit quelque chose ici. Ah oui, alors ça doit être des petites pièces que j'attendais justement. Ouais, c'est bien ça. Voilà, on en avait parlé tous les deux, donc il m'a trouvé, voilà, les pièces qu'il manquait donc à mon véhicule Star 5, donc de la série Super Sentai Five Man. Voilà, mon véhicule qui continue à se compléter, qui est quasiment complet d'ailleurs, même on pourrait dire, hein, 99%, ça fait super plaisir. Alors nous avons ici, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, j'ai l'impression que ce sont encore des cadeaux. Oui. Ah, ça s'est bien fermé. Pas de doute là-dessus. La qualité de l'emballage et le soin de ce dernier n'est plus à démontrer maintenant. Alors, qu'avons-nous là? Qu'avons-nous lui? Qu'avons-nous l'eau? Ah bah joli. Ah bah joli. Ah excellent. Bah, il ira rejoindre ma voiture. Il s'agit de la moto de la série Winspector. Ah, elle est en super état. Alors il manque le guidon, bon ça c'est pas trop grave. Nous avons ici donc le petit poussoir pour le missile qui se loque juste ici, qui se cache juste ici, vous voyez. Elle est bien propre, hein. La suspension arrière fait encore son taf, il y a du métal, hein, plastique et métal, les pneus en caoutchouc, voilà. Des beaux jouets comme on savait les faire à l'époque, elle est vraiment superbe. Voilà, il y a la béquille également, donc ça fait plaisir, elle va aller rejoindre donc ma voiture Winspector. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, je vous invite à regarder sur YouTube, hein, vous avez l'intégrale disponible. Ah, c'est super cool, merci mon petit père Damien, là vraiment tu m'as super gâté, voilà, la moto de Winspector, et deux petites figurines, voilà, et puis donc on va passer au plat de résistance. Alors je viens le petit cartoon, voilà, Wally Walloon. Alors ça par contre je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, et je vous avoue que là, je suis en train de faire pipi dans ma culotte. Ah, regardez-moi ça, mon chouchou, mon Metal Hero préféré, le héros et grand frère de mon enfance, voilà. La SHF Figuart, enfin la SH Figuart, donc la figurine de notre Metal Heroes Gavan, Space Sheriff Gavan, ou Uchukeiji Gavan, ou chez nous XOR, voilà. Absolument magnifique de chez Bandai, les chromes sont resplendissants. Alors j'ai déjà une figurine qui était sortie au courant des années 2000. J'ai le Gavan, le Sharivan et le Shader. Mais là celle-ci vraiment c'est le summum de la figurine parfaite.
Voilà, avec des chromes de toute beauté. Alors c'est vraiment le Gavan, hein, c'est pas la version, la deuxième version qui était sortie donc pour le film, pour la personne donc qui remplace à qui Gavan donc donne le flambeau. Voilà, ce sera plus simple. Voilà, donc on a voilà plusieurs deux têtes, hein, avec la tête normale et la tête avec ses yeux illuminés, hein, pour son attaque finale notamment, ou pour détecter les Serex lorsqu'ils sont cachés. Entièrement articulé, voilà, ouais, c'est superbe. On a plusieurs jeux de main, on a son épée, et puis l'épée en mode attaque pour le coup final. Voilà, la Gavan Dynamic. Ah, super, c'est waouh, magnifique. Boîte scellée, hein, jamais ouverte. Elle est toute neuve, elle était encore dans son petit plastique. Voilà. Petite beauté qui va rejoindre ma collection. Je suis super heureux. Gavan, c'est vraiment pour moi. Voilà, ça représente tout. C'est vraiment voilà, de tous les Super Sentai et les Metal Heroes, puisque c'est avant tout un Metal Heroes. C'est vraiment pour moi le personnage, l'incontournable. Voilà, grosse bise. Alors, je sais très bien qu'il ne regardera pas ma vidéo, mais en tout cas, grosse bise et grosse pensée donc à l'acteur, hein, qui jouait Gavan, notre petit Kenji Oba Sensei. Voilà, notre cher Kenji Oba. Ah, waouh! Superbe, j'ai juste ça à dire, superbe, vraiment. Voilà, je l'ai enfin. Alors, je ne vous dirai pas le prix, hein, mais voilà, c'est là encore l'affaire du siècle. Donc voilà, hein, pour récapituler donc les petites réceptions et cadeaux de mon ami Damien. Voilà, deux figurines Super Sentai, deux panneaux pour mon Starfive DX. Voilà, je vais pouvoir enfin fixer l'arrière, ne m'en manque plus qu'un canon. Et puis ce sera bon, il sera complet à 100%, ça fait hyper plaisir. Et puis donc aussi, chose inattendue, la moto de Winspector. Merci mon petit père Damien, je t'embrasse très fort. Merci comme toujours, hein, pour ces longs moments passés en message privé, nos échanges de photos, de coups de cœur, de voilà nos discussions. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi, hein, ça de parler, hein, de passionné à passionné. Voilà, on voit pas le temps passer et c'est vraiment superbe. Hein, voilà, je m'éclate à fond avec lui. Donc voilà, avant d'être un vendeur, c'est surtout donc un ami. Voilà, ami que je suis vraiment content de connaître, tout simplement une personne charmante et formidable. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je mettrai le lien de sa boutique Vinted, comme je le fais toujours, donc dans ma description, si vous voulez voir un petit peu, vous faire plaisir, ou si vous cherchez des choses vraiment très rares, ou en tout cas à meilleur prix qu'on peut les trouver par ici, par chez nous. Voilà, n'hésitez pas. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. J'espère, les petits amis, que cette revue, enfin cet unboxing, mais quoi que caisse, vous a plu, vous a permis de découvrir donc voilà mes petites nouveautés. Je ne ferai probablement pas de revue de ce que j'ai eu, puisque voilà, ce sont avant tout des figurines. Je présenterai donc le Gavan le jour où je me déciderai à présenter ma collection du Space Sheriff. Pour le moment, donc voilà, il est là, vous l'avez vu. Voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions, vos suggestions, etc., etc. Vous en avez à présent l'habitude. D'avance, merci infiniment pour tous vos petits pouces bleus qui me font toujours extrêmement plaisir et qui sont de plus en plus nombreux. Voilà, c'est super motivant. Ça donne la pêche, ça donne la patate. Donc, merci à vous. Petit bisou, petit coucou de bienvenue donc aux nouveaux abonnés, hein, venus rejoindre notre petite famille et communauté. Voilà, merci pour votre confiance. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Alors certes, mes vidéos sont assez longues, je parle beaucoup, mais voilà, c'est le problème quand on est passionné, on ne voit pas le temps passer. Voilà, donc voilà, tout simplement ce que j'ai à dire. Et puis comme toujours, de gros bisous donc aux anciens abonnés, toujours là, fidèles au poste. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite donc un bon début de semaine, une bonne semaine. Profitez bien pour celles et ceux qui sont en vacances. Pour les autres, plein de courage. Et surtout, hein, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye. Eh ben, encore de sacrées belles choses, mec. Waouh, respect. Ouais.
Merci Yan-Yan, merci Daniel, merci Damien. Vraiment de très très beaux cadeaux. Ouais, là, le papy, il est encore super gâté. Oh, cette chance. Oh bah tout ça, ça m'a donné envie de me refaire l'intégrale de la série XOR. Tu sais, Space Sheriff Gabin, Jean Gabin. Ouais, moi aussi. Allez, viens mec, on va se mettre du popcorn au four. Au micro-ondes du moins, et puis on se fout dans le canapé, et on se mate l'intégrale d'XOR. Ouais, parce que XOR, c'est le plus fort. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.